Alors, soit un petit retour sur la machine à sous Goldstruck. Alors, 8000-001, score à battre. Alors, les mises. 50 balles. Ouais, ça risque de piquer un peu, enfin, on va essayer. Alors, super chariot. Donc, il était pas en entier. Pour gagner les free spins sur ce jeu, c'est pas gagné, il faut que le chariot collecte des pépites et que la miss elle arrive jusqu'au free game. Bon, arrive au jackpot, ça on peut oublier. Alors le Gold Slug, est-ce qu'il va nous la faire à l'envers, est-ce qu'il va payer que dalle? Allez, super chariot. Il nous manque 3 pépites. Et elles sont pas là. Pas évident pour faire grimper la miss jusqu'au free spin. Ouais, j'ai peut-être attaqué un petit peu fort avec les mises à 50, mais bon. Des fois ça paye pas. Si ça paye tant mieux, ça paye pas tant pis. Voilà, pour le moment, ça a pas l'air de raquer du lourd. On a un casque. Alors, moins 600 balles, un petit peu plus, c'est un bon début. Chariot sera pas allé loin. Super chariot, hop, allez, 100 balles, on va essayer ça. Là, on va se faire défoncer si je paye que dalle. S'il paye, bah, il perdra en conséquence. Que dalle. Que dalle également. Ouais, 12 euros. J'espère qu'on va pas se taper que dalle sur les mises à 100. Super chariot qui est pas là, voilà, hop, il est pas en entier. L'apparition du chariot. Pas de pépite, pas de pépite, pas de casque. Ouais, de 8000 on est passé à 6000. Série de spin perdant, on va retenter ça. Alors, 62. Ben là, ça crame le win de la première machine à Suzuka Casino, le Exploding Pumpkins. Bon, le win, il n'est pas encore cramé, mais... On n'est pas loin. Super chariot, il est pas là. Bon, on va réduire un peu les mises. Ah, blanc, on se tape une bonne série de spins perdants. Que dalle. On est passé en dessous d'avoir des 4000. Ah bien beau les mises à 50 balles et 100 balles, mais quand ça paye que dalle. Ok, deux pépites, il va en manquer une. L'espèce de rat, il va en manquer une.
qui va nous la montrer sur le spin suivant. Le crevard, que dalle. À une pépite près. À la guerre comme à la guerre, mais si on se fait un terminus à zéro quand même. Une pépite en plus. Et terminus. Alors on a un casque, le chariot il n'est pas encore fini. De la pépite et non que dalle. Alors 1, 2, 3, 4 et 5 free game bordel. Free game à 50 balles, bah il était temps. Alors on en a que 3 hein. J'espère que ça va raquer. Ça m'étonnerait qu'on remonte à 8000 balles. Allez, 3 sur 5, on en a gratté 2. On nous file des ice symboles par hasard. 4 sur 5. Pas de pépite. Terminus pour les free games, 1323. Restre gold, pas énorme, pas énorme. On monte à 5130, on avait commencé à 8000 balles. Moi je méfie un petit peu, on va faire ça. On va aller pas rebalancer les free games. 3 pépites de manquantes. Voilà, c'est un peu classique des machines à sous, les free games sont sortis mais ça a payé moins que ce que le jeu l'a bouffé. C'est mal barré, hein. Des fois je dans mes commentaires, retiens, ben, je vais tester pour augmenter, enfin faire un petit bénéfice en fin de mois, mais bonne chance. Bon courage. 6 euros. Une pépite en plus. Et plus de pépites. Ah, voyons voir. C'est la mauvaise idée, le retour des 1000 à 50. Alors, pépite. Casque, recasque. ...272, pas énorme. Bon courage pour gagner les free games sur ce jeu, pour faire monter la mise au 7ème ciel, jusqu'au free games.
Alors, pépite en plus. Il manque 3. Alors, on a un casque ici. On n'a plus de pépite à l'horizon. Je pense que je vais me fixer une limite à 4000 balles, donc c'est retour à la case départ. Ça aura cramé le bénef du premier jeu de l'Exploding Pumpkins. Alors, la chariot du diable, il n'y a pas de pierre précieuse, enfin, pas de pépite. Dernier spin. And the winner is the casino. Donc on a redégringolé à 4-0-14. On verra pour la suite. Donc là quand même, hop, il y a des hauts et des bas. Allez, terminus. Hop, c'est l'heure de tirer le frein à main. Ouais, pas de bol, pas de bol, pas de bol. Hein.